ennemi en approche. Comment cela est-il possible? Je l'aurais forcément remarqué. Tournez! Excellent. Le docteur, un autre homme décidé à venir défier mon autorité en cette belle nuit de Noël. Mademoiselle Artigan, je viens vous proposer un choix. Vous disposez sans nul doute de l'esprit le plus remarquable que ce monde ait jamais connu. Assez fort pour contrôler les Cybermen sans se laisser convertir. Je n'ai en aucun cas besoin de votre approbation. Non, mais un esprit tel que le vôtre mérite de vivre. Les Cybermen sont arrivés en utilisant une arche dimensionnelle. Je peux l'utiliser pour vous trouver un monde où habiter, où il n'y aura personne à convertir. Mais dans ce monde, vous aurez tout le loisir de mener vos vies d'androïdes en paix. Ce monde-ci me suffira très bien. Je sais très bien qu'il regorge de milliers d'esprits tous prêts à devenir des extensions du mien. Pourquoi voudrais-je quitter ce monde? Parce que si vous restez, alors je devrais vous éliminer. Pour qui est-ce que vous me prenez, monsieur? Pour une idiote? Non. La question est pour qui vous me prenez, moi? Éliminez cet homme! Vous me forcez à faire ça. Vous venez d'essuyer un échec cuisant. Vos armes n'ont pas le moindre effet sur moi, monsieur. Je n'avais pas l'intention de vous tuer. Tout ce que j'ai fait, c'est briser la cyberconnexion. En faisant ça, j'ai libéré votre esprit. Il est ouvert au monde qui vous entoure. C'est la première fois depuis très longtemps. Vous pouvez voir. Regardez par vous-même. Voyez ce que vous avez fait. Je suis désolé, mademoiselle Artigan. Mais voyez vous-même ce que vous êtes devenu. Je suis vraiment désolé. J'ignore comment, mais il l'a tué! Il va nous tomber dessus! Je suppose qu'il a utilisé la lance dimensionnelle pour envoyer la carcasse du cybermonarque dans le vortex du temps, afin qu'il puisse y être désintégré sans danger. Oh, j'en ai eu des choses. Ah, prenez-le. Mesdames et messieurs, je connais cet homme, le docteur qui nous survole. Et je sais qu'il a accompli ce genre d'exploit un nombre incalculable de fois. Mais pas une fois, non, messieurs, mesdames, pas une seule fois. Il n'a eu les remerciements qu'il mérite, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Alors joignez-vous à moi en cette magnifique matinée de Noël. Bravo, docteur! Bravo!